Je suis un peu délinquante. Alors, ça ne plaît pas à tout le monde, mais ça fait rien. Minou Petroski, c'est une femme plus grande nature. Elle avait une personnalité absolument flamboyante. Elle était aussi la femme qui rentrait dans un bistrot, puis que là, on tombe sur Depardieu qui est en train de jouer aux machines à boules. Mais elle va voir Depardieu, puis elle lui parle, puis elle demande l'entrevue, et Depardieu lui dit oui. Dès les années 70, elle s'impose comme une figure marquante du paysage médiatique québécois, elle qui était originaire de Nice. Femme d'aujourd'hui a choisi de se pencher cette fois-ci sur un sujet grave. Collaboratrice à la populaire émission Femme d'aujourd'hui, pour laquelle elle a d'ailleurs remporté en 1974 le prix Judith Jasmin, Minou Petroski a réalisé des centaines de reportages, témoin privilégié de ce Québec en plein bouillonnement. Femme d'aujourd'hui n'a pas la prétention de vous faire connaître New York. Pétillante, passionnée et pleine de caractère, Minou Petroski mordait dans la vie. C'est une femme de passion, de désir, de plaisir, de fête et de cinéma, évidemment. Et oui, elle avait un appétit de vivre jusqu'à la fin. J'aime les gens. Je les aime tous, pour de différentes raisons. Durant sa longue carrière, elle a couvert le circuit des festivals de cinéma internationaux et mené des entrevues avec les plus grands noms du 7e art. Les réalisateurs, les comédiens, elle les aimait, elle les connaissait, elle les pistonnait, elle allait chercher les petites choses que nous autres, on n'allait pas voir, on n'avait pas vu, on connaissait pas. Elle nous apportait toujours quelque chose de nouveau, quelque chose d'intéressant. En plus de sa carrière à l'écran et à la radio, elle a publié 4 romans, des essais et des nouvelles. Elle avait beaucoup peur qu'on l'oublie et je le savais qu'on ne l'oublierait pas. Comment veux-tu oublier une femme comme Minou qui était vraiment hors norme, atypique, une mère pas ordinaire? Les archives de ces milliers d'entrevues seront bientôt numérisées pour la postérité par la Cinémathèque et rendues accessibles au public et aux chercheurs. Je suis passionnée par un film que je vois, par une chanson, par un artiste. Pour moi, c'est ma respiration, je veux dire. Minou Petroski, une vie digne d'un scénario, comme dans ces films qu'elle aimait tant. Ici Nabil Alexandre Chartier, Radio-Canada, Montréal.